personne ne m'écoute dans ce véhicule motorisé. It's vlog time. C'est-à-dire? C'est où qu'il faut regarder le... Attends, Maudia, peux-tu le refaire, s'il te plaît? Le... Là, là? Le... Là? Je pense que le premier que t'as dit en haut. Là? Ouais, je pense. Okay. T'es neuf. Fait qu'aujourd'hui, on se retrouve aux Chinois. On va manger des Chinois avec Vince. Ouais, on va manger des petits Chinois À Montréal. Mauvaise place, mauvais timing. Ouais. Est-ce que tu penses que ça se mange? Non, ça se boit. Fait que j'ai acheté une pizza. J'ai acheté une lumière. Yo, checker comment ma lumière est sick. Ah! My man's on the grind. Montreal. Gang gang. Quoi? Tiens, there you go. Merci. Ça filme déjà. Okay. Oh, ça filme déjà! Fait que là, ici, on a un arbre. L'arbre avant nous. Hey, ça zoome bien, hein? Ici, on a Ophélie. Mademoiselle Sénéchal, elle vient de recevoir un BBL. Je suis mal Fait que là, il a perdu certains privilèges. Oh. Là, il peut plus être en couple. Ouais. Ok, Audrey, en toi, c'est quoi ta théorie? Moi, ma théorie, c'est que c'est parti un band de K-pop. attends. C'est pop. Ben non, c'est K-pop parce que c'est K-pop. Non, c'est K-pop. Non, mais excuse-moi. La K-pop, quoi? Il y a des... Oh! Non, dans la K-pop. Ça n'existe pas! Dans la K-pop, il y a des Chinois. Je le sais. Hey, j'ai la pleine discussion comme ça en dézoomant. Mais moi aussi, je le sais. J'aime vraiment tes lunettes, Audriane. Merci, je dis ça. J'aurais aimé ça les acheter. Est-ce que t'es en train de te filmer? Ouais. Élise est très égocentrique. Le vlog, ça va être la moitié d'elle. Élise, c'est un old. Élise? Ah oui! On se dit que c'était ses coups de cœur. Un coup de bip! Ça se tire un peu? Ça se tire même pas tant, genre. Mais je vois, je non, c'est fait en laine d'acier. Ça s'étire pas. Disons ça. C'est quoi la taille que t'as vu? C'est en laine d'acier, ça ne s'étire pas. C'est un wand. Ok. Et ensuite? Mon coup de bite. Ton coup de bite? Un autre coup de bite pour Élise. C'est clair, ça va te couper les aisselles. On va tester ça. Moi, je trouvais que le magasin était vraiment sexiste parce qu'il n'y avait pas de vêtements d'hommes à ma grandeur. C'est ça pour des enfants de 5 ans, enfant. J'aime vraiment la qualité. En fait, ce qu'elle veut dire, c'est que je trouve que je suis vraiment belle en ce moment dans la vie. J'aime vraiment me la caméra me donne justice. Moi. Ah, mais non, c'est pareil. Ah, mais non. Ah, mais non, c'est moi qui est belle. Mais oui, t'es. Ok, je vais prendre en main le vlog parce que. Ben, en fait. J'ai une blague. Non, vraiment, je suis qu'est-ce qu'on fait à Montréal en ce moment? Attends, je mets mon masque. Non, toi, t'as assez eu ton bout du vlog, je pense. Fun fact, plus grande société d'État du Québec, la plus rentable aussi. On n'avait pas besoin de cette partie-là. Moi, je suis désolée. Après ça, t'as Desjardins qui ont fait un chiffre d'affaires de 2 milliards l'année passée. Ou un profit de... Okay, mais... Puis après ça, ils sont pas capables de me donner de l'argent, les chiens. Nobody asked. On fait un TikTok? Non. Oui, on fait un TikTok. Ok, oui. Je sais qu'elle va faire un speech là. Ouais, elle va faire un speech. Parle. Dernière fois que j'ai fait un speech, ça va pas bien. C'est sûr que t'as un speech, tu vois? J'ai vraiment fait un speech. Ah, ça filme encore ça. Fait qu'on est dans le métro. C'est mon harem. Qu'est-ce que vous avez à dire sur le conflit israélo-palestinien? Ton masque. 5$ à la personne qui tire là-dessus. 5$, not my problem. Again, personne ne m'écoute dans ce véhicule motorisé. On est dans la marge à quartier. C'est pour la gueule.
coming to Montreal! I know, tout le monde nous arrête, c'est du sarcasme tout ça! Demi l'itinéraire pour aller à Montréal! Bienvenue au podcast du quotidien. Attends, ça filme-tu là? Ça filme, mais s'il n'y a pas de lumière encore. Mais alors, là, j'avais même pas catché. Moi, je pensais qu'on était comme à Québec pour pogner le pont. Okay. Même pas catché, ça allait pas prendre le pont. La lumière fut. Par quoi? La lumière! Je pense qu'elle n'allume pas les lumières. Tu hors de moi! Veux-tu, je vais t'expliquer. Là, non, explique-moi rien. C'est Audrey-Anne la bonne copilote, c'est tout. Ah, et c'est quand même elle qui t'a apporté sur le pont. Ben, c'est quand même toi qui criais partout. Non. Oui. Oh, super. Okay. Parce que tu... Olivier, comment on se sent quand on est en embrouille? Écoute, moi les embrouilles ça me connaît. Je suis un peu un professionnel de l'embrouille. Moi, je me bats souvent. Je confronte souvent des gens, même mes patrons. Puis si t'avais un conseil à donner pour les gens qui sont tout le temps en embrouille, tu dirais quoi? Choisissez des cibles plus faibles que vous. Fait que dans mon cas, choisir Elise comme cible... qui détecte pas le sarcasme! Ouais. Non, Elise! Elise, c'était du sarcasme! C'était du sarcasme. Je ne pourrais pas dire que la journée ne sera pas mémorable. Mais hey, il va avoir fait une étiquette à cause que tu voulais pas dire, que tu sais pas. On va le payer. Oh, je l'ai. Moi, je ne paye pas de service. Moi, j'ai jamais dit que j'étais d'accord avec ça. Là. Bon, ben, ça va payer le billet tout de suite. On peut pas dire qu'on s'ennuie présentement. Ça, c'est vraiment fou. Arrête de parler de moi. Élise, est-ce que tu as une blague sarcastique à faire à Olivier? Moi, je vais aller vous voir.